ces effluves de souvenirs qui gravitent autour de moi et qui excitent ma mémoire. Qui excitent, que dis-je? Qui m'obsèdent, qui m'omnubilent, qui entravent ma pensée. Enfin, je m'égare et leur tourne. Je vais te parler d'un endroit qui connaît malheur et désarroi. C'était en 1994. Regardez-le comme il a l'air fébrile. On n'invite pas tous les jours Amélie au cinéma. Un bouquet de fleurs à la main, il exulte. Elle lui plaît tellement. Aujourd'hui, c'est mercredi. Alors on va au cinéma. Je lui ai proposé d'aller voir Forrest Gump. Elle m'en a parlé toute la semaine. Tom Hanks, c'est quand même quelque chose. Est-ce que j'ai pris les bonnes? Je n'ai jamais su quelles étaient ses préférées. Je n'ai jamais su grand-chose d'autre d'ailleurs. Elle n'est pas venue. Tom Hanks, va te faire foutre. Ça y est, j'y suis enfin arrivé. Je vais pouvoir faire ce que j'aime. Si elle me voyait comme ça. Elle qui voyait cette école comme un tremplin dans la vie. Elle regretterait de m'avoir laissé. C'était un de ces jours maudits où même se lever est une entreprise dangereuse. Il a lui-même pensé... Quelle journée de merde. Entre ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on nous conseille de faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne pourra jamais faire, ce qu'on n'a pas encore découvert, et ce que, putain, on ne peut plus accomplir. Aujourd'hui, il avait réalisé son erreur. Mais trouver du premier coup, c'est tout un art, mon cher. Mais on est tous dans le même bateau, au fond. Tu vois, même dans l'espoir, il était amer. Mais c'est... Non, pas d'excuses, jeune homme. Je ne suis pas encore arrivé au dénouement. Nous arrivons à un moment clé. Sois attentif. C'était mon frère. Ça fait des années que je ne l'avais pas. Ça m'a fait du bien de le revoir, de le sentir si proche de moi. Cette clé, elle me rappelle tellement de choses, je croyais l'avoir perdue. J'avais oublié ce cabanon, j'avais oublié tous ces costumes. J'avais oublié ce que ça faisait de devenir quelqu'un d'autre. Est-ce que j'essayais déjà de fuir la réalité? Pourquoi est-ce que j'ai l'horrible sensation d'avoir grandi? Après un an de lamentation, à broyer du noir comme à peu près le reste de sa vie, oui, pas la peine de faire cette mine déconfite. Enfin, il part. Pour revenir. Et le voilà qui attend encore que de nouveaux malheurs lui tombent dessus, à trouver du réconfort dans la fatalité, à laisser ses échecs l'entraver. Est-ce qu'il sait qu'il a perdu trop de temps? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça y est, on y est. Ça y est? Thank you.